Drumheller, c'est un peu la capitale mondiale des dinosaures. Alors forcément, on en rencontre un peu partout. Vraiment partout. Et le plus célèbre d'entre eux avec une journée assez spéciale cette semaine, puisqu'on a fêté son 20e anniversaire. Et vous n'avez jamais été invité à l'anniversaire d'un dinosaure géant? Bah je vous emmène. Cela fait 20 ans que cette dinosaure, 4 fois plus grande que nature, règne sur son centre-ville. Voilà qui méritait bien une petite fête. Welcome to the 20th anniversary celebration of the world's largest dinosaur. Et en guise de cadeau, la ville lui a offert un nom. Après un vote en ligne, les internautes ont choisi, ce sera Tyra. Mais c'était aussi l'occasion de se remémorer ses grands moments et son histoire. Je ne sais pas comment l'idée vous est venue, je me demande ce que vous buviez ou fumiez à l'époque, mais je suis content que vous l'ayez fait, plaisante-t-il. C'est vrai ça, d'où vient-elle? Le père de Tyra, celui par qui tout a commencé, c'est lui, Corey Campbell, le président de la chambre de commerce de l'époque, et il y croyait en son dinosaure. On se présente comme la capitale des dinosaures au Canada, mais quand ce projet sera fini, on deviendra la capitale mondiale des dinosaures, disait-il. Aujourd'hui encore, il en garde quelques reliques chez lui. L'idée était de faire en sorte que les visiteurs du célèbre musée Tyrrell s'arrêtent aussi en ville pour aider les commerces locaux. S'il se souvient qu'on lui a ri au nez au début, lui en était persuadé, ce dinosaure géant serait un succès. Ce qui me rendait si confiant, c'était qu'aucun enfant de 4e ou 5e année ne pourrait passer devant ce dinosaure sans demander aux parents de s'arrêter, confie-t-il. Mais encore fallait-il que ce dinosaure soit construit. Pour cela, artistes, ingénieurs, paléontologues, tous se sont penchés sur le berceau de Tyra. Même si on avait des dessins, on ne savait pas vraiment à quoi elle allait ressembler avant que la décision soit prise de lancer la construction de ce truc, raconte-t-il. Alors, il y a eu beaucoup d'appréhension jusqu'au jour où j'ai reçu la photo de sa forme brute. Et là, je me suis dit, ça va le faire. Plus de 2 millions de visiteurs plus tard, difficile de le contredire. Et même si Drumheller a offert à Tyra sa célébrité, le dinosaure a fait encore plus pour la ville. 15% des revenus sont reversés à la communauté. C'est sûrement ça, sa plus grande fierté. Nous avons réinvesti près de 640 000 dollars dans notre communauté ces 12-14 dernières années, explique-t-il. C'est vraiment ça, l'héritage de ce projet. Une bonne raison de fêter son anniversaire comme il se doit, avec une part de gâteau. Ici Vincent Bonnet, Radio-Canada, Drumheller.